Allez, on va attaquer la suite, c'est-à-dire aller explorer les autres cartes parce que j'ai fait donc un petit débrief des missions et ça va se chevaucher de partout sur les cartes. C'est vraiment pas une phase qu'on peut faire map par map et surtout au niveau des tâches puisque ça y est, j'ai de la confirmation. Donc j'avais déjà la certitude au niveau de la fameuse tâche de remorque sur notre remorque radar qui s'est débloquée avec encore des tours, qui est la mission vibrateur sismique. Et ensuite, il y a une tâche qui est ici avec une remorque de construction qui n'apparaît pas. À moins que ce soit celle-là, tiens d'ailleurs, en fait. C'est peut-être ces petites remorques-là, j'ai même pas vu. Qui est la tâche filet de sécurité qui se débloque après réseau électrique, le contrat réseau électrique. Alors par contre, faut faire 5 contrats. Hein, donc c'est pour ça que je vous dis, ne cherchez pas à essayer de finir map par map. Parce qu'alors là, il y a du taf et ça se chevauche avec d'autres cartes. Je sais plus où c'est, réseau électrique. Hein. Merde, je l'ai perdu, réseau électrique, je suis aveugle. C'est là-dedans, réseau électrique. Réseau électrique. Donc pour réseau électrique, voilà, faut faire méga turbo, pression statique, les deux tours. Pour faire méga turbo, je crois qu'il faut faire combler la faille. Non, soyez préparé à tout, qui est sur une autre carte. Et je sais pas si pour soyez préparé à tout, fallait pas faire combler la faille ou super pont. Donc voilà, il y a du taf de fou pour une petite tâche qui apparaît après. Donc il faut pas essayer de faire carte par carte. Donc là, je vais vraiment aller partir sur de l'exploration. Alors qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'est... Oui, je suis sur la carte, ok. Je suis sur la mission, c'est pour ça qu'il me l'affiche. Donc emmener le réacteur, mais on s'en occupe pas du tout de ça. Qu'est-ce qu'il m'a mis comme mission? Il m'a mis espace vital, hop. On va aller explorer les autres cartes, donc on va partir sur la seconde zone réactive. Bon, elle est déjà un petit peu explorée, hein, du coup, vu que j'avais fait le... Ah, puis j'ai mon burlac là-bas. J'ai mon burlac. Je pourrais peut-être partir direct avec le burlac. Surtout qu'il y a un garage là-bas, il y a des tours de guet qui vont être assez vite faites. Ouais, je vais peut-être partir avec le bourlac en fait. Hein. Je vais pas m'emmerder, je crois. Je suis désolé, je crois que je vais pas me casser le cul. Je vais partir avec le bourlac. Hein. On va faire simple pour essayer d'explorer assez rapidement entre guillemets les 4 maps. Et après, peut-être un peu plus se promener. Pour la troisième, j'essaierai de prendre le nouveau scout là. Peut-être que j'aurai débloqué d'ailleurs ces améliorations, donc on verra. Salut Aventi! Salut J-Noël, t'as pas fini de te faire suer, sont pas faciles. Qui sont pas faciles? Bon là, oui. MTB pour les prochaines maps, ouais, je vais essayer parce que là le problème, c'est que vraiment, alors, il faudrait que je me décolle du trou là. Je suis un petit peu dans un coin. Voilà. Voilà. Hop. Donc on va partir, l'horloge est là-haut. On va partir là-haut, j'ai vu qu'il y avait une tour de guet pas très loin, donc on va partir par là-bas. Allez, c'est parti, on continue. On reprend. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué du coup. Faut que je retrouve mes habitudes, mes réflexes et de rejouer au volant surtout. Ah, il y a une tour de guet juste à côté, on va y aller. Hop. Bon, ça va au moins un bras, ah, quoique j'allais dire je risque pas grand-chose. Le bourrelat qui est quand même des fois un petit peu instable. Salut baguette de pain, sacré pseudo. Repos aujourd'hui, demain j'ai du fret de cabine numéro 3, pas d'école. D'accord, ah bah écoute. Bon courage à toi, j'espère que ça se passe bien, ta nouvelle vie de routier. Alors bah tiens, il y a une tâche ici, on va la prendre. Mais du coup, je vois pas trop accepter. Pêche au gros, ok. Alors, elle aurait plutôt été de l'autre côté, la tour de guet. Bon, on va peut-être partir de l'autre côté alors. Ça me fait toujours bizarre à chaque fois que je rejoue à Snow au volant. Je me dis toujours, mais waouh, ça fait bizarre. J'arrive pas à me caler ça en tête. C'était tellement inintéressant quand j'avais essayé il y a longtemps. Il n'y avait pas le retour de force. Heureux comme un gamin, bah écoute, c'est génial. Si tu t'es retrouvé une vocation, un truc. Ah, ça servait à rien de passer par là. C'est cool. Salut Optimus. Salut Superlube. Salut à tous. Bon, désolé, j'ai commencé en retard. Je me suis absenté 2 secondes.
Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais pas du tout. Déjà, on va explorer celle-là. Ça va peut-être prendre pas trop longtemps. Entre un bourlac qui a de l'essence, tout ça, qui va bien. Déjà l'exploration qui est déjà bien entamée. Ah, c'est peut-être par là. Bon, en tout cas, on va passer par là. Donc celle-ci, elle devrait aller assez vite. Après, les deux autres, je ne sais pas. Alors, je sais pas si c'est par là, mais j'ai envie de passer par là. À un moment... Fuck. Oula. Oh, j'avais pas vu la faille. Ça va aller. Ça va aller. Bon, j'ai vu qu'on m'avait dit que c'était bizarre que je joue en vue extérieure au volant. Je suis d'accord en temps normal, mais là dans Snow, je trouve que... On voit tellement pas là où on place le véhicule et la physique est des fois tellement pas terrible que je préfère jouer en vue extérieure pour regarder où je vais, etc. Où je mets les roues. Ah, c'est chouette, hein. C'est chouette avec la centrale, hein. Alors, pêche au gros, je l'ai pris. Ah, il y a une petite amélioration là-haut. On va peut-être revenir sur nos pas. On va peut-être revenir sur nos pas, je m'en doutais que ça serait par là-bas. Alors, l'amélioration, ouais, je sais pas si elle va être accessible par là. Hein. Peut-être là, à travers les arbres, je suis pas sûr. Donc prendre les réparations gratuites. Et puis après aller à la tour de guet là-haut. Hein. Ça m'a l'air pas mal comme projet. Pêche au gros, elle est de nouveau en bas. Ouais, par contre, il y a une petite zone là qui va pas se fouiller. Je suis pas trop d'accord. Ah. Il y en a un qui a eu un petit accident là. Mais qu'est-ce que c'est que ce véhicule? C'est quoi ça? Ah, c'est un Hummer. Waouh. Ah, et vu de dessus, c'est impressionnant un Hummer. Alors, allez, on repart. À moins que je puisse descendre. Ça dit quoi par là? Ah, ça pue un peu. Ah ouais, ça pue carrément. Ouais. Peut-être plus par la droite, là-bas. Ouais, ça pue un peu. C'est peut-être faisable, mais je pense que le bourlac, avec ses pneus rapprochés comme ça, il va plus culbuter que faire comme le tatarin et glisser le long des trucs. Ouais, ça peut se tenter, hein, mais ça va être chaud. Hein. Allez. Je suis vraiment con de tenter ça. Hein. Je suis vraiment con, hein. Mets le frein à main. La vitesse lente, que je puisse freiner et pas reculer. Wow. Putain, la caméra qui veut pas se mettre à cause de ces fucking arbres. Ouf. C'est vraiment une idée à la con. Hein. Ah, on est dans Expédition. Ah, d'ailleurs, ils ont sorti une nouvelle petite vidéo Expédition. Bon, vraiment une petite vidéo. Hein. C'était pour montrer ce qu'est le radar et le détecteur de métal. Alors, le nouveau détecteur de métal, parce que celui de Snow, il sert vraiment à rien. Il est moche et il sert à rien. Ah, et par contre, là, c'est peut-être un peu con là où je suis. Hein. Ah, c'est peut-être très très con là où je suis. Hein. Peut-être un peu plus loin, mais... Alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le buisson qui me retient comme ça. Je suis vraiment pas passé par l'endroit qu'il faut, moi. Voilà. Encore des trous. Ça passe. Allez. Ça dégage. Bon, c'était un raccourci en termes de trajet, mais pas de temps, je crois. Vu comme c'était risqué. Sais-tu s'il y a un garage sur chaque map? Non, il n'y en a pas un sur chaque, je crois. Il y en a 3 sur 4, je sais plus.
Il y en a un où il faut leur construire, il y en a un ici, et sur une autre, il n'y en a pas. L'émotion d'abonné, j'ai de quoi l'acheter pour 100 jours d'affilée avec les points de chaîne. L'emote. Tu fais une avant-première d'expédition bah, une avant-première, non, hein, puisque personne ne m'a rien proposé. Donc, je jouerai au jeu en même temps que vous, pour ainsi dire, sauf si vous l'achetez pas. Ou que vous achetez pas avec les... Je sais plus le temps d'accès en avance, si c'est sur toutes les versions ou pas. Donc normalement je vais prendre la Year One Edition, je vais pas prendre la Suprême. Ça me semble vraiment être du foutage de gueule à mon avis. Et les connaissants, il n'y aura rien de plus après qui va sortir d'être inclus à la Suprême. Donc, je le sens bien venir comme ça, que on va se faire enfler à acheter 4 versions de camions qu'on en a rien à cirer. Pour 10 balles, franchement, c'est... Des camions de SnowRunner en plus qu'on connaît par cœur, il y a vraiment. C'est pour ça que je vous dis, à mon avis, on va rebouffer des camions de SnowRunner en DLC payant ou autre. Ils vont nous les remettre dans des Season Pass. Ils vont peut-être nous en remettre un nouveau, un ancien, et puis ils vont faire leur beurre comme ça. Hein. Ça va être vraiment abusé, je pense. Alors, on va aller chercher la petite amélioration là-bas. Si je me gaufre pas. Ce qui là n'est pas gagné. J'aurais eu le garage, ça aurait été un peu mieux. C'était tendu, hein. Ah putain de. Ah, parce que c'est chiant de tourner la caméra avec la croix directionnelle au volant. C'est infâme. Hein. Ça te déclenche des menus, c'est dégueulasse. Je dois de me retourner à cause de ce menu là. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ah, y avait une belle route de l'autre côté et moi je suis passé par là. Et d'ailleurs je suis pas très à plat. Hein. Ah, ça va. Alors surélevé pour... Et eh ben voilà. Comme ça on a la surélevée plutôt que la... Que l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, on va peut-être passer par là-haut puis on redescendra. Hein. Que la crawler, je crois, qui est pas très haute. Donc il paraît qu'elle est pas mal, je crois. Mais bon, je sais pas. Je me suis pas amusé à tout comparer. Oui, si tu le retournes, c'est mort. Bah ouais, en plus, je crois qu'ils ont pas changé les points d'accroche. Hein, donc, bah, je crois que j'ai l'autonome. Hein. J'ai l'autonome, mais viens voir si on changeait les points d'accroche. Ah, ils ont pas changé les points d'accroche, je suis pas sûr que... Quoique... Non, hein, ils ont pas changé, hein. Non, ils sont sur le marchepied, je crois, à la grue. À la grue, ils sont sur le marchepied, et au treuil, ils sont au milieu du camion, et donc du coup trop rapprochés pour te retourner, quoi. Salut Florence Céline. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelques infos sur les prochaines phases, genre la région de la map? Non, non, on sait rien. On sait jamais rien d'avance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à mon avis, les skins ont teasé un peu, les nouvelles phases, comme ça a été le cas avec le Year Pass 3. Mais on sait rien. Après, on a vu, je pense que... Il y en a une qui sera peut-être au Canada, dans la glace, avec un thème plateforme pétrolière. Ou en tout cas, truc dans le genre. Il y en a un qui sera la gestion de bois, du farming de bois. Je sais pas trop comment ils vont gérer ça. Il y en a une autre, ça sera du minage. Peut-être dans la neige aussi, mais on n'est rien de sûr du tout. Hein. Et la dernière, bah, ça va mélanger Zeus et Poséidon pour moi. Mais pour quel type, je sais pas du tout. Essayez que... Salut JCVD. C'est bête qu'il ne rajoute pas des améliorations aux anciens véhicules comme sur les anciennes phases. Ouais, mais le problème, c'est que ça sépare trop après les autres joueurs, quoi. Les joueurs qui n'ont pas acheté le Year Pass 1, la saison 1, bah ils ont pas la WD sur le GMC, le Twin Steer. Donc c'est pas... Je trouve pas ça très... C'est pareil, il y en a d'autres, je crois. Il y avait les transmissions de précision sur la phase 3 sur la plupart des véhicules. On
On a eu quoi? On a eu un moteur, je crois, pour le Freightliner ou quelque chose comme ça. Il y a eu un moteur pour le Voron aussi. Il y a eu pas mal de choses, donc je trouve pas ça très... Je vois l'idée, hein, et je suis pas totalement désaccord, mais le problème, c'est que ça sépare les gens. Du coup, ils ont pas les améliorations, tout ça, et... C'est compliqué, après. Alors, la tour de guet, elle est peut-être à ma gauche. Oui, elle est à ma gauche, en fait. Elle est à ma gauche. On va aller à la tour de guet, on redescendra après. Tu penses à quoi comme nouveau camion? Alors là, franchement, il y a beaucoup, j'ai beaucoup d'idées, hein, mais eux, ils vont pas les suivre. J'y connais rien en camion off-road, mais j'en ai vu des tas qui pourraient être intéressants. Mais je sais qu'ils vont pas les suivre, soit par question de droit, soit par question de choix à la con. Hein. On a vu ces derniers temps, les choix sont vraiment cons. Autant là, le nouveau FEM, il est intéressant, autant il a pas vraiment sa place ici, quoi. Il aurait été plus intéressant s'il nous avait fait une phase arctique, quoi. Franchement, j'en ai plein des idées. Hein. J'en ai plein. Il pourrait nous faire le Z-Rose, mais bon, c'est Mercedes, donc pas sûr. Avec la Rox, éventuellement, deux camions Mercedes. Il pourrait nous faire, j'en sais rien, s'ils font du bois. S'ils font du bois, il pourrait nous faire un gros camion Volvo. Pas un gros camion, hein, une espèce de grosse chargeuse à bois. Mais bon, j'y crois pas trop parce que c'est généralement pour remplir une remorque en un seul coup et nous on en met 3 et c'est chargé. Il pourrait nous mettre le berlier, peut-être un peu gros, c'est peut-être un peu compliqué. Il pourrait mettre le Zils 135, je crois, qui est un espèce de 3 ou 4 essieux avec les avant-arrière qui tournent, un truc un peu spécial. Il pourrait nous mettre plein de choses, hein, mais je crois pas que... Je suis pas sûr qu'ils utilisent les bonnes idées. Peut-être qu'on verra le Fiat qui est dans Expédition. Peut-être qu'ils nous foutront l'autre 4x4 là. Il y a le colis, l'espèce de blindé là, qui est aussi un Gourka, je crois. Je suis pas sûr. Ils peuvent nous mettre le. D'ailleurs, ils ont apparemment. Alors non, j'allais dire ils ont acquis la licence, mais non, pas du tout justement. Le Kotko là, Kotko, hein, je crois, qui est en bonus de Year Pass 1, je crois. Sur Expédition, qui est un Iveco, je sais plus quoi, donc qui pourrait faire venir des véhicules Iveco, mais sans licence, donc je sais pas. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Il y a des Azov qu'on attend depuis très très longtemps, des Azov tout simples qui sont dans les Mustang Pack RSK, dans des tas d'autres packs qui sont en 3 essieux, en 4 essieux. En 5, voire peut-être même en 6. Je sais même pas s'il n'existe pas en 12, celui-là. Il y a des tas de choses possibles, mais ça fait très longtemps qu'on attend certains véhicules et qu'ils les mettent jamais. Donc, ils nous sortent des véhicules de leur chapeau, comme le Bourlac qui est qu'à sa place ici, hein, mais que personne connaissait peut-être avant. Quoique, j'ai trouvé une vidéo. Il y a un mec qui fait des vidéos, un Américain, je crois, ou un Anglais, et qui fait pas mal de camions, justement... Ah merde, il y a une tache jusque là-haut. De... Ouais, juste à côté du truc, quoi. J'irai peut-être la chercher après, je sais pas. Qui trouve garde, celle-là, je l'ai pas. Merde. Bah si, je viens de la prendre. Ouah, l'amélioration là-haut. Ah ouais, ils sont gavés. Bah, faut aller la chercher après. Ouais. Ouais, bah, falloir aller couvrir un peu le noir. Déséquilibre, tout ça. Bah, déséquilibre, il est là. Ah oh, bah tiens, j'ai déséquilibre, je peux aller la chercher en bas. Je peux aller la chercher là, donc c'est bon, j'ai pas besoin de remonter. Donc on va repartir par où on vient, pas s'emmerder. Donc je disais, il y a un mec, un Anglais ou un Américain qui fait des vidéos YouTube de camions réels, très intéressantes. Et du coup, il y avait les 6 camions les plus incroyables en off-road. Et je crois que tu avais le Bourlac, le Kenworth 963, je sais plus si tu avais pas le Mastodon, tout ça. Tu avais quasiment tous les véhicules de snow, etc. Donc c'était assez marrant. Tu te dis celui-là on l'a, celui-là on l'a, celui-là on l'a. Il y a le Agro, je crois, qui est un espèce de man 6 roues, mais assez badass. Qui est en camion tracteur, pas en camion porteur, on va dire. Donc, il devrait ajouter au moins une région gratuite, car l'écart entre les free-to-play et les autres devient triste. Non, là je suis pas d'accord du tout. Là je suis pas d'accord, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, des régions gratuites, ça demande beaucoup de boulot.
Sachant que les Yearpass sont de moins en moins chargés. Alors, bon, on a de moins en moins de véhicules en DLC. Il n'y a plus de véhicules inclus dans les Yearpass. Les saisons, ça coûte vraiment du temps, à mon avis, quand même, de les faire. De faire des PTS, de faire des machins, la faire gratuite. Ça serait. Faut être honnête, c'est une perte d'argent pour eux. C'est pas faisable, ça serait stupide d'une certaine manière. Tu peux les vendre, pourquoi tu les ferais gratuites? Il y a un moment, faut rentabiliser le truc, ça je le comprends tout à fait. Ça je le comprends. Après, le pack de pneus payant, ça par contre, je suis pas d'accord. Ça je suis pas d'accord, ça a provoqué des bugs chez ceux qui n'avaient pas acheté le pack parce qu'ils avaient des véhicules qui ont eu les jantes attribuées d'office. Donc du coup, ça a créé des bugs, il a fallu vendre le véhicule, le racheter. Ça pour moi, c'est pas normal ça. Ça c'est pas normal que ce soit payant. Un pack de pneus et de jantes à 3 balles, franchement, ça aurait dû être gratuit. Gratuit, inclus un Yearpass éventuellement, mais gratuit pour moi, ça aurait dû être gratuit. Après, ils pourraient nous refaire un pack de véhicules gratuit, parce que ça, il y a besoin de beaucoup moins de PTS, d'investissement, de contrôle que tout fonctionne. Un véhicule gratuit, ça, ils pourraient le faire. Ça, tout le monde a attendu le Anniversary Pack 2, ils l'ont jamais fait. Ça, par contre, ça aurait pu le faire. Le Unimog, oui, aussi, mais après, c'est du Mercedes, à mon avis, ils n'ont pas la licence. À mon avis, ils n'auront pas la licence. Ils ont dit qu'il y avait des licences qu'ils n'avaient pas réussi à avoir, et je pense que Mercedes est dans le tas. Je suis pas sûr, hein, mais je pense qu'elle est dans le tas. Iveco, potentiellement, était peut-être une marque qu'ils ont essayé d'avoir et qu'ils n'ont pas eu. C'est pour ça que le Codeco n'est pas sous licence. Donc, à mon avis, je pense qu'il y en a certains où ils n'ont pas eu le droit. Après, Berlier, il n'y a pas que le T100. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est le plus intéressant. Si tu veux vraiment mettre des camions dingues, un peu vraiment des icônes du off-road, enfin, c'est pas vraiment un camion off-road, je crois. C'est un camion de puits de pétrole, il me semble. Un peu comme le Kenworth 963 en soi. Si je me trompe pas, en beaucoup plus large. Mais il me semble que c'est plus pour de la route plate, c'est pas spécialement fait pour des boss comme là et tout ça. Mais bon, il y en a d'autres dans le jeu hein, qui n'ont pas du tout leur place et qui y sont quand même. Hein. Ça serait pas spécialement gênant. Ah, il y a deux remorques là. Et qui visiblement sont des remorques de mission. Ah, l'autre elle est pas tombée. Tu veux pas tomber? Voilà. Donc c'est des remorques de mission. Ok. Hop hop hop, j'ai un peu trop tourné. C'est chouette comme ça qu'ils aient mis plein de ressources au sol pour décorer. C'est cool parce que, et encore les rouleaux de métal, bon ça je crois ça fait longtemps qu'ils sont créés. Mais t'as l'impression d'avoir du nouveau truc visuel alors qu'en fait ils ont juste pris des ressources, ils les ont posées, ils les ont vissées au sol et terminé quoi. Et ça je trouve ça cool, alors après ça fait peut-être plus de temps de chargement, de trucs comme ça, mais je trouve ça assez chouette. Ça charge vraiment le décor, le paysage avec quelque chose qui est déjà créé, je trouve ça bien moi. Je trouve ça vraiment bien. Alors, celle-là je l'ai pas, réparation gratuite. Tu veux explorer les 4 cartes, je vais essayer, mais je sais pas ce que j'aurai le temps de faire aujourd'hui, on va voir. Ah, il a calé. On va voir ce que j'ai le temps de faire aujourd'hui, là la deuxième carte elle va être assez rapide je pense. J'ai un bon véhicule et j'ai déjà commencé, il était déjà sur place tout ça. On va voir pour la suite, mais en tout cas aujourd'hui c'est exploration parce que ça va être trop chiant de pas savoir où je dois aller, tout ça, à faire des demi-découvertes de cartes, etc. Donc on va faire de l'explo comme ça. Par contre j'ai toujours pas fait une seule photo pour faire un petit truc, une petite miniature sympa. Je sais pas trop où je vais prendre ça. Je voudrais bien le faire avec un bâtiment sympa. Avec la centrale ça aurait été bien, mais je suis déjà parti. Et oh, tu me diras, j'en suis plus très loin. Hein. Je m'en suis bien rapproché je crois. Bourlac pour explorer, c'est ici. Les camions autoroutes comme le Transtar devraient l'enlever, c'est le camion indésirable. Bon, maintenant qu'ils sont là, si tu veux, ils peuvent pas les enlever. Tu peux pas enlever un camion qui est déjà là. D'ailleurs, le Ford en plus, ils ont été obligés de le débadger dans certains pays comme la Russie pour enlever Ford de là-bas. Parce que c'est pas bien d'avoir Ford en Russie. Hein. Ouais, je suis pas très loin. Oh putain, c'est vrai que je peux pas déplacer la carte.
Ouais, je pourrais gagner l'autoroute et puis aller faire une petite photo là-bas, vite fait. Ouais, donc du coup, hop, on enlève ça. Qui trouve garde? On s'en fout un petit peu. Encore un barrage, va falloir que je remonte par là, que j'aille prendre l'amélioration. Je vais remonter par là, ensuite, ouais, on va se mettre un itinéraire. Donc, on va passer par là. Tant pis, ça sera pas très pro, mais on va refaire une petite photo là-bas. On va repasser par là. Prendre la tâche. Prendre la tour de guet. La tâche. L'amélioration. Ensuite, on va passer par là. Chaud bouillant. Je sais pas si je l'ai, chaud bouillant. Je sais pas si je l'ai, mais... Ouais, ça m'emmerde, chaud bouillant, je sais pas si je l'ai. Bah, je suis con. Je l'ai pas. Je l'ai pas, je l'ai pas. Peut-être que je peux passer vite fait la prendre. Retourner là-haut. Ensuite, on ira par là. Ensuite, on ira voir cette fameuse route que j'ai pas prise qui va par là pour aller de l'autre côté et trouver le garage. Voilà, ça me paraît être un bon plan. Ça, on devrait un peu. On devrait un peu explorer le coin noir. Alors, oula. Alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que tu sais s'il y a du nouveau concernant les bugs PlayStation sur le bas du moteur? Non, 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 j'ai rien vu. J'ai rien vu du tout. Ça communique pas beaucoup, tu sais. Sur les bugs, vraiment. Déjà, ils sont en investigation sur le fameux bug de faire le plein d'essence en coop. Parce que le bug est de nouveau de retour. Je vous rappelle, hein, vous pouvez pas faire le plein de votre camion si vous n'êtes pas l'hôte d'une partie en coop. Donc faut que le responsable vienne. Donc en partie publique, et ben vous êtes dans la merde. Pour que le mec comprenne que vous avez besoin d'essence. La DAS c'est mieux que Ford, enfin tout le monde sait ça. Oh, ouais. Bon, c'est pas une question de ça. Hein. C'est surtout Ford qui veut pas apparaître en Russie en fait. Hein. C'est pas la Russie qui veut pas de Ford à mon avis. La Russie ils s'en foutent. Hein. What is the best mode for Play 4? I make a video about that. Putain. Bonjour l'anglais. Hein. Alpha anglais, il est présent. Hein. S'il retire le Transtar, je pourrais plus faire mes conneries avec. Ouais. Tu l'as pas pris qui trouve garde? Je l'ai pas pris? Quoi? Si, je l'ai pris. Mais je l'ai pris ailleurs. Je l'ai pris ailleurs qui trouve garde. Je l'ai pris plus haut, là où il y avait la remorque, je crois. J'avais été la chercher dans la flotte. Hop, 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 on se calme. Ouf. Effectivement, il y a beaucoup moins de boue, j'ai l'impression. Enfin, en même temps, j'ai le bourlac, j'y fais même pas attention. J'en ai tellement rien à secouer de la boue avec ce véhicule que j'y fais pas attention. Salut, Tall Gamer. Oh, j'ai fait un franglais dégueulasse pour lui répondre. À mon avis, il a pas compris, j'ai dû parler une autre langue. Est-ce que dans Dakar, il y a la Lada Niva? Oui, ils l'ont ajouté en DLC rétro. Enfin, ça c'est des bâtards. C'est pareil, Dakar c'est des gros bâtards. Parce que tous les véhicules, il y avait des véhicules de snow, je crois, et surtout les véhicules rétro. Tu pouvais les voir depuis la sortie du jeu quasiment, il me semble. Tu pouvais les croiser, mais tu pouvais pas les prendre. Et ils ont ajouté ça en DLC après. Oh, regardez, on a un DLC! Ouais, non, non, mais c'est juste l'autorisation de prendre les véhicules, c'est tout ce que vous avez ajouté. C'est tout, hein. Alors ils ont peut-être ajouté un petit peu après la sortie, mais ils avaient déjà leur plan. D'ailleurs, faut savoir que Dakar est complètement abandonné maintenant, c'est fini. Hein. Ils font peut-être un patch pour les bugs sur PlayStation et c'est fini après. Hein. C'est rideau. En même temps, il y a eu tellement de bugs et tout, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné le jeu. Moi, perso, je ne l'ai pas trouvé du tout intéressant en termes de jeu Dakar. J'ai trouvé intéressant en termes de jeu fun off-road de course, c'est-à-dire en mode sport, je crois. Bah alors dès que tu passais sur des modes sans checkpoint, ça ne voulait rien dire. Le mec il te disait passer entre les arbres alors que les arbres étaient à droite et du coup tu prenais pas du tout le bon itinéraire. C'était un désastre. Hein. C'était un vrai désastre je trouve. Vraiment catastrophique ce Dakar. Dès que tu pars dans le Dakar c'est
c'était pas bon du tout. C'est vraiment dommage parce que Dakar 18, va falloir que j'y retourne parce que j'ai plutôt bien aimé Dakar 18, même si j'ai pas beaucoup joué. Mais je retrouvais vraiment, tu vois, quand je loupais un repère, je loupais un repère, j'étais un crétin. Je savais qu'il fallait que j'aille à machin. Je m'y retrouvais, c'est parce que j'écoutais pas bien des fois. Mais par contre, dans celui-là, c'est catastrophique. T'écoutes les repères et t'envoies dans le mauvais chemin, quoi. En plus de ça, t'as des limitations de vitesse à respecter, et si tu les respectes pas, t'as des pénalités. Mais par contre, oh, c'est très chouette ça. Impeccable. J'ai bien fait de revenir. Parfait. Ah, puis en plus, il y a les. C'est sur cette carte-là ou c'est pour décorer derrière? Ouais, je suis pas sûr qu'on voit grand-chose. Hein. Bah, on les verra pas. Allez. J'en fais une petite deuxième au cas où quand même. Ouh, j'ai fait une capture de. J'ai pas. Hop, allez, on repart. Viens voir, j'ai d'explorer la carte du coup ou pas? Ouais, sauf le lac. Ouais, bon, bah c'est bon. Allez, on est reparti. Bon, bah j'ai bien fait de venir là. Une petite photo en 2 minutes et c'est fait. Ça, j'ai ma photo, j'ai plus besoin de revenir. Ils ont mis la gorbaille. Je sais plus s'ils ont mis la gorbaille dans Dakar, je me rappelle plus. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que j'ai loupé? Exemple War Thunder te rajoute tout le temps des véhicules sans que tu aies besoin de payer. Ah ouais, j'ai cru qu'il y en avait plein qui étaient payants, moi justement. Pas même type de travail, de véhicule, tu prendras pas plusieurs centaines d'heures de développement et des milliers d'heures dépensées pour créer et développer une map comme sur son honneur. Ouais, non, mais c'est. Après, chaque jeu est différent, chaque budget est différent. Comme on a pu voir, à mon avis, s'il y a eu autant de soucis des fois avec les développements et tout, c'est parce que l'équipe elle travaille sur d'autres jeux en même temps. Donc c'est pour ça que des fois c'était la merde. War Thunder c'est gratuit mais il faut beaucoup jouer. Ouais. Moi il me semblait que tous les véhicules étaient payants dans War Thunder, mais je vois sans arrêt des DLC, des petits DLC payants avec un véhicule à chaque fois. Ça change rien, ça reste du contenu gratuit. Non mais c'est sûr, après un véhicule c'est différent d'une map. Hein. Parce qu'une map, faut mettre des missions, faut trouver une idée, parce que faut une idée. Ça veut dire que tu te bouffes une idée de contenu gratuit pour un season pass. Donc c'est bien différent hein, de te faire un DLC gratuit d'une carte et d'un véhicule. On n'est pas du tout sur la même idée. Hein. Après, ils ont quand même fait beaucoup de contenu gratuit, il faut l'avouer. Hein. Bon, est-ce que ça n'aurait pas été intéressant, c'était payant. Hein. Mais ils t'ont fait un New Game Plus, ils t'ont fait un Anniversary Pack. Ils t'ont quand même. Qu'est-ce qu'ils avaient fait déjà? Merde, je sais plus. Du crossplay, du cross save qui est en train d'arriver. Il y a quand même quelques trucs qui se font. Hein, ils sont pas totalement à zéro pour les gratuits. Mais bon, il y a un moment, ça se paye hein, le contenu d'un jeu solo. Autant le contenu d'un jeu multijoueur, si tu veux. C'est différent d'un jeu solo. Ce jeu-là, il n'est pas pensé pour être un jeu multijoueur. Ils ont ajouté le coop. En plus, ils l'ont dit, il a toujours été pensé comme un jeu solo. Même si ça a pas l'air, mais bon, bref. Mais vraiment, rajouter du contenu à un jeu solo, gratuitement, c'est quand même assez rare. Hein. C'est assez rare, ou alors ça s'était peut-être déjà fait d'avance. Il y en a qui sont pires, hein. Il y en a, ils te reprennent le contenu des jeux précédents, ils te le font payer. C'est peut-être ce qui va se passer avec Expedition, on verra. Mais il y a eu Capcom qui ont fait des prix de fou sur des DLC et du coup, des trucs qui étaient déjà dans le précédent, des fois sur des Street Fighter, je crois, ou autre. Salut HX. Salut Mosferis. C'est quoi ce véhicule de fou? Bah, c'est le Bourlac de la phase 11, hein, c'est tout. Certains trucs sont payants. Les premiums de War Thunder sont tous payants, d'accord. Soit tu payes, soit tu joues free play, mais tu souffres. Ouais, d'accord, en fait, il faut les débloquer très cher. Et si tu payes, tu les as direct dans le garage, en gros, c'est un peu l'idée, non? Ça monte à maximum 60 pour un véhicule. Ah quand même, 60€ pour un véhicule dans War Thunder, sans déconner. Ils arrivent à te rajouter des avions à 70$, non c'est pas vrai, c'est pas possible. Pas si cher. Sérieux? 60-70$ pour un véhicule? Alors là... Non! Non, y a pas de mission, par contre il y a un petit drapeau.
Après, faut quand même récompenser les gens qui payent, hein. Tu peux pas. Il y a des fois, déjà, faut savoir quand même. Moi, je trouve ça assez dégueulasse. Sur deux choses, c'est que des joueurs qui rejoignent quelqu'un qui a les phases puissent les faire d'une certaine manière. Parce que suffit que tu l'achètes une seule pour 4 personnes. D'un point de vue, des gens qui achètent, qui jouent solo, d'un point de vue même développeur, je trouve ça très con. Parce que du coup, il y en a qui pourraient se dire: ah, tu veux jouer à cette phase là? Ouais, bah viens, allez, je vais l'acheter, vas-y. Bah, du coup, non, bah tu l'as, bon, bah c'est bon, j'arrive. C'est assez con en fait comme système, hein, de mettre les phases gratuites pour ceux qui sont les invités. Et pour les véhicules, ça a été fait aussi en mode. En mode, pendant un temps, les véhicules DLC, on pouvait avoir des versions tweak sans posséder le DLC, ce qui est pas normal, parce que toi tu payes pour des véhicules qui sont des fois à chier. Par exemple, le Kenworth WC90 qui est vraiment pas ouf, ils vont chercher un tweak avec AWD et hop, tu peux jouer. Ah bah non, non, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible, on va pas payer pour des véhicules pourris et puis ceux qui payent pas, ils ont des véhicules encore meilleurs. Non, c'est pas jouable. C'est pas jouable du tout. Alors visiblement, je ne peux pas y aller par là, la tour. Je vais lui friser les moustaches à la tour. Donc on va passer plutôt par là-bas pour aller chercher la tour de guet. Après on ira chercher... ouais non, ça c'était une connerie. C'était une connerie. Ouais, je sais pas pourquoi je mets ça. Hop. Donc si je joue... Tiens, je tanks. Non, War Thunder, j'ai voulu. J'ai jamais le courage. Warship aussi, Battle... Alors je sais plus, il y en a un aussi de bateau qui est, enfin, qui est principalement de bateau, je crois. World of Warship, je crois. Ça m'a toujours tenté, mais si tu veux, j'avais pas de débit et tout, et je suis pas allé, mais faudrait. Je me suis toujours dit qu'il faudrait que je les essaie, ces jeux-là. J'avais essayé un petit peu World of Tanks, mais vraiment pas beaucoup. Je le prends tellement en retard qu'à mon avis, je me ferais peut-être laver par les autres. J'avais essayé Crossout, qui est un petit peu différent, mais toujours dans le même système, on va dire, du multijoueur. Faudrait que je les essaye. Faudrait vraiment que j'aille voir ce que c'est, à quoi ça ressemble. Peut-être que j'accrocherai à mort. Oh, mais j'ai plus d'essence sur le toit. Moi, j'ai tout vidé, je suis con. Hop, hop, hop. Oh, c'est la merde, ça. J'avais pas vu, j'ai tout vidé dans le FEM l'autre jour. Oh, c'est la merde. Oh, j'avais pas vu. Je m'étais dit, j'ai le module de toit, ça va aller. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc va falloir que je me trouve une station service potentiellement et vite. Je sais pas s'il y en a pas une à côté de là où je vais là. Il n'y en a pas une le long de la route là. Bon, j'ai rien trouvé du tout. Entrepôt, machin, chaud bouillant, je vois pas de remorque. Ça c'est la merde. Ça c'est la grosse merde. Alors, je vais peut-être me déplacer avec ça, avec la manette. Parce que le temps d'atteindre le garage, ça va être temps d'axe. Hein. Et ça se trouve, j'avais une citerne là-bas, non? Non, il n'y en a pas. Je vois pas de citerne, ouais. Alors, il y a une station service, je crois, mais elle est là. Hein. Ouais, elle est là-bas. Hein. 80 litres, ça dépend. On peut peut-être faire le taf, mais ça va être chaud. Faut que je prenne l'amélioration. En fait, je suis complètement con, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je redescends? Je suis con, moi. Je passe par là. Et après, je suis sur la route. Et puis... ouais. Puis après, ça veut rien dire que j'atteigne ma destination. Hein. Ah, il y a une citerne là-bas. Mais c'est peut-être une citerne de mission, ça. Bah écoute, on va aller voir, sinon je viendrai de l'autre carte. Je crois que j'ai mon Lord Star qui est pas loin, mais pas sûr. Ah, il est au-dessus de la colline quand même. Hein. Ça va être chaud. Hop, va falloir traîner. War Thunder, c'est un gros mélange. C'est quoi comme camion? Salut Star Pilot. C'est toujours le Bourlac. Vous l'avez pas retenu pourtant ce véhicule? C'est de la phase 11. Je l'ai assez montré de partout ce véhicule. Oh putain de merde, j'aurais pas besoin d'essence. Eh merde, j'avais pas vu le rocher, je l'avais oublié.
Ah putain de merde. Ah puis alors là les arbres ils sont en caoutchouc donc ouais c'est le problème hein. C'est le problème. Ah putain vas-y sors-moi la manette j'en peux plus. Là vraiment le volant c'est bon. Le volant pour le treuil les conneries comme ça c'est bon. Alors. Ah bah voyons qu'on va pas loin avec ça hein. Je vais essayer de le dépanner, mais je suis pas sûr d'y arriver. C'est quand tu veux, poteau, hein. Alors. Sans déconner, il manque 3 cm. Alors, je vais me coller sur l'arbre pour le retourner, ça va être pratique. Eh ouais. Hein. Eh ouais, c'est ça quand tu fais des points d'accroche de merde. Hein. Eh, quand tu fais des points d'accroche de merde, eh ben ça fait de la merde. Hein. Ah, 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 ah. Eh ben c'est vraiment par coup de bol. Hein. C'est vraiment par gros coup de bol. Hein. Je sais pas ce qu'il a accroché, si c'est dans l'arbre et tout qu'il a réussi à lever, mais... Bon, on va se remettre dans le droit chemin à la manette, hein, parce que c'est bon. Hop. Voilà. Allez. Ah, je l'ai complètement oublié ce rocher, je l'ai pas vu. Complètement aveugle. T'en as pas dans le module. Ah j'en ai peut-être dans le module un petit peu. C'est vrai en fait. Ouais bien vu. Mais je sais pas si j'ai pas tout donné. J'ai tout donné. J'ai vraiment tout donné. Ah je lui ai tout donné. Tiens prends c'est gratuit. Ah je lui ai tout filé au FEM. Faut dire il consommait beaucoup. Donc je me suis dit allez. Oh non 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 non. Mais hein. Quoi. Non mais c'est une blague. Ah putain de caméra de merde. C'est une blague, franchement. Qu'est-ce que c'est ce délire? Oui, bah oui, t'as qu'à lui faire faire un salto sur le toit, t'as raison. Sans déconner. Non, c'était une blague, hein. C'était une blague, t'es pas obligé de répondre à ma connerie, hein. Il est complètement débile, ce jeu. Ça me paraît compromis hein, cette histoire. Parce que là, ouais. À moins de me treuiller avec celui-là d'arbre, mais. Putain. Pour une fois que tu voudrais qu'il accroche dans le sol, il accroche pas. Hein. Putain, vous êtes vraiment des bâtards, les développeurs. D'avoir mis les points de treuil ici, c'est dégueulasse. Alors que les points de grue sont beaucoup plus intéressants. C'est vraiment dégueulasse. Vraiment, vous avez abusé. Ah, et puis je vais où là, par me coincer 10 fois plus Tu m'expliques? Je vois pas trop ce que je peux faire. Hein. Allez, tire! Putain. Peut-être que là je peux si je suis coincé comme tout à l'heure. Non, là par contre, là tu veux y aller là. Là il y a du monde là. Ok, là il y a du monde. Ah, fais chier, putain! J'ai pas assez fait gaffe. J'avais dit que le bourlac c'était pas toujours un gage de sécu. Hein. Il y a des fois quand même, il est assez sensible hein, le pauvre petit. Hein. Eh ben il est costaud l'arbre. Hein.
En même temps, c'est un scout, hein. C'est l'avantage qu'il soit dans la catégorie scout, parce que je pense qu'il y a une certaine gestion. Ouais, vas-y, mets le camion debout, ça me ferait rigoler. Une certaine gestion des arbres qui cassent en fonction du type de véhicule. À moins que ce soit dans le fichier du véhicule, mais... Putain, ça craint quand même. Hein. Oui, mais... Putain. Tu veux pas accrocher un peu dans le sol, sans déconner? Il y a des marchepieds, il y a tout, hein. C'est vraiment... Allez, accroche dans le sol, bon sang! Mais c'est pas possible de se foutre de la gueule des gens comme ça. Sans déconner, les points de treuil sont sur les marchepieds. Vous craignez vraiment. Faites vraiment ce que vous avez envie avec les points de treuil. Et moi ça, là, il vole, hein, le camion. Et merde. T'arrêtes avec ton frein à main là, sans arrêt de me claquer dans les oreilles là. C'est énervant. J'ai pas encore vendu là. Pourquoi hier tu n'as pas fait de live? Parce que j'étais occupé. Je faisais mes travaux. Hier j'ai vu une vidéo d'un gars avec le bourlac qui traçait de ouf. Rien ne l'arrêtait, bah parce que c'était sûrement un bourlac modé, hein. J'ai vu qu'il y en a, ils prennent le bourlac modé, là, de Super Mr. Buzzies ou je sais pas quoi, avec des pneus énormes. Voilà, hein, c'est tout, hein. Il y en a qui aiment bien se cheater la vie, entre guillemets, donc... Chacun fait ce qu'il veut, mais non. Le bourlac est déjà bien assez cheat comme ça pour pas être carrément cheaté encore plus avec des pneus immenses, là, qui prennent bien plus de largeur, tout ça. Putain, ça me saoule. Ça me saoule, mais ça me saoule, putain. C'est tout ça, c'est à cause des points de treuil, hein. Je pourrais me remettre easy sur les roues si les points de treuil étaient pas pétés, hein. C'est vraiment dégueulasse, hein. Putain, je pensais qu'il l'aurait réparé, ça, mais non, hein. Mais pourquoi tu veux qu'on répare un bug? Ça sert à rien, voyons. À quoi bon? C'est génial les bugs. Ça y est, j'ai le droit de choisir mon point de treuil ou c'est pas comment? Non, bah tu glisses, hein. T'arrives à traîner un camion, allez, va te faire foutre. T'arrives à traîner un camion de 20 tonnes avec un treuil, c'est bon. Putain, ce que ça m'énerve. Ah putain, puis j'ai du chemin à faire avec ça. Alors, c'est pas ça que je voulais. Oh putain, les menus. Oh les menus. Oh les menus, des fois qui sont toxiques. Oh putain, fait chier. Hein. J'aurais dû débloquer le garage. Hein. J'aurais été moins merdé. Hein. Je changerai pas d'avis depuis la phase 1 sur le fait que le bourlac est nul. Non, le bourlac est très bon, mais alors il se casse facilement la gueule. Hein. Une erreur et c'est fini. Hein. Puis comme les points de treuil sont pétés, bah tu peux pas le remettre sur ses roues. Yo Exenco. C'est comme ceux qui abusent avec le tatarin. Ah ouais, non, mais le tatarin, il y en a qui mettent des trucs. Alors, je sais pas ce qui se passe. Voilà, on se retrouve par là, je crois. Oh putain, il tourne tellement bien celui-là, comparé au bourlac. Bon, faut que je redescende déjà. J'ai à peine de l'essence, je crois, lui. Hein. Je peux aller par où? J'ai même pas fait mon chemin. Oh putain, je peux pas, j'ai placé le truc. J'avais dit, je pouvais. Pff. Ah, oh, je vais repartir du menu, hein, je vois pas l'intérêt. Ah, hein. Oh, vas-y, tu sais quoi, je vais même... Il me servira à rien ici, je vais mettre 20 heures à me déplacer, je vais prendre le 53. Prendre le 53, ça ira beaucoup plus vite, j'aurai de l'essence, parce que lui, il en a pas, ou presque. Donc... Ah, d'accord. Ouais, mais vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein. Je suis en train de me péter les bras pour tourner le volant. Parce qu'une fois qu'il est tourné, il tombe plus. Allez. Allez. J'aurais moins de mal à retourner le bourlac avec ça.
pire, je pourrais presque me téléporter. Mais... je vais chercher le garage, me téléporte avec le bourrelat qui est plus vaste. On va faire un dépannage, allez, on va faire un dépannage. Le tatarin va très bien. Ah bah oui, non mais comme il est très bien le tatarin. Résumé du live, essayez de réveiller le bourrelat. Alors, quand je disais que cette map c'était vraiment l'enfer sur Terre, c'est incroyable. Hein. 2 secondes dans la boue, un des meilleurs véhicules du jeu, il est calé quoi. C'est... vous avez craqué les développeurs. Hein. Deux millimètres dans la boue, ça y est, c'est fini. Ah bordel. Allez, reste sur la route, va pas dans le marécage, s'il te plaît. Merci. Oh, puis je suis quasiment arrivé en fait. Je crois que je suis sur la route et après direct la route jusqu'à zone réactive. Donc ça va aller assez vite ça. Ah, fait chier hein, le bourlac, vraiment. S'ils avaient mis les points de treuil comme il faut, il n'y aurait pas de soucis. Hein. C'est dingue. Quand vous voulez, vous réparez des trucs chiants. Hein. C'est quand vous voulez. Hein. Vous avez créé 2 zones de treuil différentes de la grue. Et entre la grue et le treuil, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, on va être au passage. Alors forcément il m'a remis un contrat que je vais pas demander. Ouais, là aujourd'hui ça va être chaud de faire les 3 cartes. Hein. Et quelle heure? 17h50. Ah oui non, c'est pas tout ça possible. C'est mort. Mais bon, on va déjà en faire essayer d'en faire 2, mais je suis pas sûr. Hein. Là déjà celle-là j'en ai encore pour peut-être une demi-heure, une heure. Ça dépendra comment ça se passe. Si ça continue comme ça, mal. Alors, salut Elwood. J'ai restart une game et j'ai repris le brigadier qui était bon. Maintenant, il est ultra poussif. Vous savez s'ils l'ont nerf? Non. Pas de... non. Je vois pas pourquoi. Il est ultra poussif. Ça me dit rien. Mais je l'ai pas retesté depuis un moment, mais... belle transition pour sortir le MTB. Ouais, non, on va le sortir après. La deuxième a l'air moins boueuse. Ah ouais, un petit peu moins. Après, le bourrelat fait le taf, mais un petit peu moins. Ouais. Tu me diras, celui-là, normalement, il est censé faire le taf. Hein, mais... allez, on va aller là où j'étais. Donc, il faut que je passe l'espèce d'usine. C'est là où il y avait une tâche à prendre. La route qui monte et je dois pas être loin du bourrelat. On va essayer de le sauver, de faire ça bien. Faire un petit peu de roleplay. Ah, ça me fait chier, hein. J'ai pas été assez prudent. J'ai pas vu qu'il y avait encore un caillou. Je me suis dit le bourrelat que c'est un tank. Mais non, c'est pas du tout un tank. Il a tendance à très vite soit piquer du nez, soit partir sur les côtés. Ah, c'était un réservoir d'eau en plus ici. Ouais, c'était peut-être un virage un peu tardif, mais il a pas tourné. Il a pas tourné. Je vais faire ça avec lui vite fait, ça sera fait. J'ai peut-être même pas beaucoup d'essence, j'en ai peut-être déjà donné, ça se trouve. C'est une remorque gratuite. J'allais dire de mission, mais non, visiblement gratuite. Elle est bizarre la grue. Bah c'est pas tout à fait la même que d'habitude, c'est la celle du module multi-rôle là. Ambiance à Muroblast mais sans neige. Ouais donne hein. Donne quoi un peu. C'est à peu près ça donne hein, c'est à Muroblast mais dans la boue. Hein.
Ouais, y a pas de passage à droite. Ok. Je note. Ah ouais, ça monte bien là-haut. J'ai pas vu ça. Hop, bon, on regardera les tâches quand je les ferai. On va pas s'emmerder. Il n'y en a pas d'autres là-bas au fond, hein. Je vois qu'il y a un truc. C'est un défi. Ok. Bon bah quand faut y aller, il faut y aller. Hein. Mais ça me semblait moins merdique que ça, vu de la carte. Petite vitesse basse. Peut-être un peu mieux. Salut Tripuage, comment ça va? Bon, t'as loupé deux crash. Et un petit moment de rage aussi. Au passage. Toujours bon à prendre. J'espère que la route c'est pas à droite. C'est pas à droite. Ça va être tout juste, hein. Du coup, j'ai même pas été prendre l'amélioration puisque je me suis crashé juste en face. Ah bah il est là. Il a les pattes en l'air, il est là. Je me demandais si c'était une remorque avec des trucs de foin dedans, mais non, c'est ses gros pneus. Il est là. Il est là, le tas de boue. Ah, c'est chiant, il mérite mieux. Hein. C'est vraiment le problème des points de treuil. Là, à mon avis, le point de treuil, si je l'attrape au treuil, ça va être pareil. Ah oui, l'arbre, il a pas aimé. Hein. Il y a voir que je montre. Donc, si je le prends au treuil, voilà, on voit, c'est sur la matière un peu grise, là. Enfin, c'est au milieu, au plus haut, mais c'est là. Et si je prends... Merci. La grue, on n'est plus là du tout, on est carrément sur les réservoirs là tout au bout. Voilà, voilà pourquoi c'est la merde. Oui, merci. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que tu te retournes en fait. Hein. C'est un peu l'idée, hein. Voilà. C'était pas très très propre, mais le cœur y était. Oh, elle fait du bruit la grue quand on la range celle-là. Allez. On verra pour prendre de l'essence après. On va déjà aller chercher. On va déjà se crasher une nouvelle fois, je pense. Ça m'a l'air bien parti, là. Non, ça devrait y aller. Ça devrait y aller. C'est juste, mais ça y va. Allez, l'amélioration là-bas. Ah, j'ai ramené un petit brin de persil pour décorer. C'est bien. Un petit souvenir. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hop, le moteur. SBR, je t'ai pas demandé de démarrer. Pour le FEM, ok. Alors, je viens de me lever, j'étais à la sieste, je bosse de nuit ce soir. Et bah, bon courage d'avance, mon pote. Ça fait le con quand je suis pas là. Bah, écoute, faut bien s'amuser, hein. Bienvenue au club pour comme moi. Fais le plein du brelac avec le 53. Oui, c'est prévu. Je vais aller le faire là. J'ai vraiment l'impression que le 53, 19 tourne beaucoup moins depuis la mise à jour. Bah, c'est ce que l'ami Alban nous disait. Alors moi, je sais pas. Ça fait très longtemps que je l'ai pas pris. Je le prends vraiment par touche entre les 200 litres et le fait qu'ils soient un peu trop puissants, trop cheatés.
Mais qu'il est très chouette, j'adore ce véhicule en visuel, mais ce qu'il y a, c'est qu'en multipurpose comme ça, en multi-rôle, ça sert à rien quoi. À part si t'as trois ressources à prendre, mettre une remorque de place et puis faire ça comme ça, mais sinon, c'est malheureusement pas dingo l'objectif, le truc. Hein. Alors le problème, c'est que si je prends trop d'essence à mon pote machin, va falloir le téléporter. Hein. Ah, il est même pas plein, c'est bien ce que je disais. Hein. Bon bah, je pense que je le téléporterai. Hein. Eh ben, il avait du mal à faire le plein d'essence. On va essayer de pas se recracher. Surtout que là, je vais descendre par l'endroit où je suis passé avec le 53, ça va être tendu. Hein. Parce que les cailloux, il aime pas trop le bourlac. Hein. Vu que c'est une brique. J'ai pas pris la même route. C'est ce délire. Je suis pas passé par le même endroit tout à l'heure. Ou... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, c'est là que c'est la merde. Non? En tout cas, là, ça va être merdique. Non, ça passe tout seul. Ok. Tant mieux. Alors, je sais pas si j'ai loupé la route, mais... J'ai l'impression de m'éloigner en fait. Allez! Ah, c'est ça votre route? Ah oui! Ah, il va être heureux le bourlac, hein! Ah, comme un poisson dans l'eau, lui, il va être, hein! Alors. Oh putain, puis il veut pas se décaler. J'aime pas ça. Allez! Ah putain, je braque, mais il veut pas y aller. Hein. Bon bah ça, ça sent la merde. Ça sent la merde. Je sens que je vais être obligé de... Hop! Tourne volant, bon sang. C'est pas très catholique, mais on va le faire comme ça. Hein. Youhou! Merde, stop! Oh putain! Non! Mais c'est pas possible. Allez, vas-y, un petit tour complet. Ah putain, deux tours? Comme le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que... Je vois plus rien. Je vois plus rien. Oh putain, c'est pas possible. Putain, aujourd'hui, vraiment, j'ai pas de bol avec ce véhicule. Hein. Bon, là, j'ai été un peu trop brutal, mais... je voyais rien de ce que je faisais. Oula. Oula. Allez. 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 Alors, il a réussi à démarrer, cet abruti, mais... Il y a des cailloux, ça devrait tenir les cailloux. Hein. Non mais je devrais pas monter sur des cailloux en étant au sol quoi. Les gars, vous avez craqué. Vous avez craqué avec vos trucs qui roulent sur les cailloux, c'est pas possible. Qui glissent sur les cailloux, pardon. Voilà. Allez, mais non, mais tu peux pas. Tu peux pas, c'est de la physique. Merci. Waouh, cette violence! Putain, mais... La violence, mais je suis à ce point en diagonale, en pente? Oui, je t'ai accroché, mais en fait, t'en as tellement rien à cirer que... Ah, puis alors, dès qu'il commence à être à 45 degrés, tu peux plus braquer. Eh, c'est bon? Bon, je suis pas sorti d'affaire pour autant, parce que... Ah, ou alors c'est à cause de ces buissons de merde que je suis pas à plat. Allez, ça passe, on va dire que c'est bon. On n'a rien vu, on va dire que c'était propre. Bon bah du coup, la tâche là, j'ai déjà prise. Oh la vache, bordel, j'en ai marre de ce bourlac. Oh, j'en ai marre de ce bourlac, c'est abusé. Couper le moteur 2 secondes, faire une toute petite pause, le temps de lire vos commentaires, ça m'évitera de bouffer le plein. Tu sais, Tolang, je suis au Yukon, je fais l'émission de rondin pour la Syrie, je regarde tes anciennes vidéos pour m'aider
C'est fou comment tu es moins rageur qu'avant et tu n'énerves plus du tout. Je m'énerve encore, mais beaucoup moins. Oui, il faut dire que là, ouais, je m'énervais beaucoup à l'époque. Ouais. Lucan, c'est pas la phase 2, si. C'est ça. Et les fameuses cabanes. SnowRunner sans bug. Et avec un peu plus de logique, serait une pure masterclass. Ah oui, bah ça. Salut Yannick! J'arrive à peine et tu fais de belles figures acrobatiques au bourlac. Ah bah attends. Il y a du métier derrière. Pourquoi tant d'acharnement? Salut Thomas! Il a fait des cours d'acrobatie, le bourlac. Ouais, on prend quelques cours de temps en temps. Rien de tel que le Royal avec maintenance pour les découvertes, comme j'ai fait au Michigan sur la phase 6. Le Royal, j'arrête pas de le retourner, perso. Hein, donc, perso, c'est non pour moi. Hein. Je ne kiffe pas beaucoup le Royal. Je sais pas si tu lui mets la suspension surélevée. Parce que c'est comme ça que je le trouve chouette, mais au niveau visuel, mais il se tient plus debout. Tient plus du tout debout, donc c'est pas ce qu'il y a de plus fun. C'est quoi cette mission là? Je l'ai prise. Réparation gratuite, je crois que oui. Oui. Alors je vous le dis aussi, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est pareil les autres cartes. Hein. Vous avez des missions bloquées par des contrats de partout. Je vous ai fait la liste sur YouTube dans l'onglet communauté. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous ai mis toute la liste des missions, lesquelles débloquent quoi. Donc c'est un peu le bordel, mais ah les rondins ils sont là à droite, les troncs moyens. Je croyais qu'il n'y en avait pas ici. Je croyais qu'ils m'envoyaient sur Oviro. Qu'est-ce que c'est ce délire? Ah c'est une remorque. Ouais, c'est une remorque. Moi aussi, mais avec plaisir. Ah tu te retournes aussi avec plaisir. Ah, bon, bah, entre les crashs et les retournements, ça te plaît? Bon, 10 sur 10 pour la figure. Tu vas faire les 4 rondins moyens? Non, non, là, pas tout de suite. Je fais de l'exploration de la deuxième et la troisième carte, normalement. Ça dépendra de ce que j'ai le temps de faire aujourd'hui. Là, on va aller choper le garage, déjà. Ça va faire du bien. Ça évitera du trajet si jamais je me recrache. Bah, tourne, pépère! Enfin, j'ai déjà fait plus de 90 degrés avec le volant. Je suis en train de me retourner le bras. J'avais posté les photos quand j'ai fait la découverte, la phase 4, t'avais bien rigolé. Ah, peut-être bien, oui. Faux espoir des rondins moyens. Pourquoi le faux espoir? Ah, d'en trouver? Ouais, bah oui. Non, mais ils sont sur Oviro normalement. Faut aller sur la troisième carte. Bon, il suffit d'un camion qui en prend deux et il y en a deux déjà sur la première carte. Donc, il y a moyen de s'éviter un petit peu de peine. Voilà, alors là, la fameuse route qui passe au nord pour éviter de se faire toute l'autoroute. Il paraît qu'on peut passer par là. Oh putain la vache! J'ai lâché le volant, il a continué de tourner et j'avais pas vu que ça allait faire une bosse comme ça. Ouais, ça fait surtout un trou dans la boue quoi et j'étais à deux doigts de faire encore une nouvelle figure. On va arrêter les acrobaties pour aujourd'hui s'il te plaît, Bourlac. Au moins une demi-heure là. Que je puisse finir l'exploration de cette carte. On en reparle. Débrief, on prend un café, je sais pas, mais. D'abord, on finit cette carte, s'il te plaît. Il consomme rien, ouais, c'est vrai qu'il consomme pas beaucoup. Hein. Non, mais c'est un monstre à ce niveau-là. Hein. La boue, tu vois, il passe ça tout seul. J'ai même pas besoin de mettre en vitesse basse. De bloc diff, il consomme presque rien. Niveau exploration, c'est un monstre. Hein, mais... Alors, on retrouve la voie de chemin de fer, donc qui peut redescendre tout en bas. Ok. Il va y avoir un passage qui va peut-être être pas facile. Salut HD. Salut Warren, bienvenue à toi. Tu as combien d'heures sur SnowRunner? Je sais pas, 1500, 2000, je sais plus. Tiens, tu veux que je te dise? J'ai pas regardé depuis un moment. Hop. Allez, quitte. Statistique. 75 jours et 9 heures. 48. 75 jours et 10 heures, quoi.
ça fait un peu d'heures. J'ai pas de calculette sous la main, je suis désolé. 75 jours et 10 heures. Il faut aller par là. 1800, 1810 du coup. D'accord, merci. Donc 1810 heures, voilà. Bon, en comptant tout ce que je fais avec les vidéos YouTube. Donc chaque fois que je fais des conneries, que je teste des trucs, que je fais des vidéos, que je place les véhicules, que je fais des explications sur la map, ça fait des heures en plus. Après, je pourrais avoir beaucoup plus si le coop était pas pété, hein. Parce que du coup j'ai nettement moins joué au jeu depuis que le coop est foutu en fait. Avant je refaisais le jeu deux voire trois fois. Je le faisais en solo, je le faisais en coop, je le faisais de temps en temps pour aider d'autres potes. Du coup j'ai complètement arrêté vu que le solo était pété. Alors il y a une usine là-haut, quelque chose. Peut-être aller jeter un oeil. Pas que je me mette en panne. Hein. Ni que je me crache, ça serait bien. Alors on a une scierie. Ok, 10 Siri. Je vais allumer votre truc. Café, c'est pour plus tard. Putain de... Je tournais, hein, mais il tourne pas, hein, ce bourlac. Si tu fais pas un angle de 90 degrés avec le volant, il tourne pas d'un pouce. Hein. C'est fou. Ah, fait chier. Bon. Bref, désolé. Le café, c'est pour plus tard. Je me prépare à manger actuellement. Il y a une époque, le coop, ouais, c'est ce que je disais, ouais. Ah ouais, j'y jouais beaucoup en coop, fut un temps, mais... Mais ça s'est arrêté. Bon, il y a la tour de guet, il doit y avoir le... Le garage peut-être plus à droite là-bas. La tour de guet, par contre, maintenant que je suis là... Ouais, bon, on va essayer de passer à la prochaine. Hein. Là, je vois tout un lac. Essayer d'aller plus loin, hein. La partie de Mustang avec Alba et le nain, ah ouais, non, mais la partie de Gitsun aussi, un peu. Après, il y en a pas mal qui ont abandonné aussi SnowRunner, qu'on avait marre, donc... Salut Tortux, bienvenue à toi. Je viens d'arriver avec mon pote, on hésite à acheter le jeu. Bah écoute, si t'as le Game Pass, tu peux l'essayer, il est dedans. Sinon, je sais pas trop quoi te dire. Déjà, c'était sur Xbox aussi, faut savoir que le coop est pété pour l'instant, donc tu risques de te faire éjecter au bout d'une heure. Donc ça, c'est un peu chiant. C'est en cours de réparation, mais bon, ça fait quand même 2 ans qu'on attend. Donc ça serait bien que ça arrive au bout. Ouais, ça me semble pas mal par là. Tu peux me poser des questions si tu veux, je peux t'aiguiller, mais te parler comme ça du jeu, je sais pas trop comment je pourrais aborder les choses. N'hésite pas si t'as des inquiétudes, savoir un peu, je sais pas, des trucs. Merci pour ton follow d'ailleurs. La partie de Gitsun du Wisconsin, première coop avec toi, ouais, peut-être bien. Je suis sur play, t'inquiète, je veux savoir si le coop est vraiment bien en fait. Bah, le coop, est-ce qu'il est bien? Le coop, alors en ce moment, il y a peut-être un bug aussi pour faire le plein d'essence, mais c'est pareil, ça va être résolu normalement. Même si ça fait un moment que ça traîne. Le coop, bah tu sors tous les camions que tu veux, tu te prêtes tous les camions que tu veux, tu peux, s'il n'y a qu'une seule personne de vous deux qui achète les DLC, l'autre peut quand même en profiter pour venir voir les maps, enfin pour jouer sur les maps. Hein. Après tu fais du transport, tu livres, tu peux faire des voyages à deux. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Le coop est sympa, après c'est ce que tu fais en solo. Sauf que t'es deux, quoi, donc il n'y a pas spécialement de grand chose de plus, mais ça peut déjà être sympa. Si y en a un qui se crache, bah, c'est l'autre qui vient le dépanner. Si vous voulez jouer un peu roleplay, un peu comme ça. Donc le coop n'a rien d'extraordinaire, mais il est très sympa, il fonctionne bien, quoi. Ah, merde. Bon,
Alors déjà, je sais pas ce que tu m'as fait avec les points là. Bon bah, on va aller par là. Hein. On va aller par là, je sais pas trop ce que la tour de guet va révéler. Et il y en aura une autre dans le bout. Oh bah c'est un pex hein. Techniquement, il y a l'autre là-bas au bout, puis j'aurais fait toutes les tours de guet. Oh c'est bien. C'est bien, je pense qu'en plus on doit avoir toutes les tâches là pour l'instant, donc c'est cool. Et nous, on prenait beaucoup de plaisir en coop, hein. C'est pour ça aussi hein, que c'est extrêmement rageant ce jeu. C'est qu'en coop, qu'est-ce qu'on s'amusait hein, à faire tout et n'importe quoi. Hein. À faire des vraies missions, à se dépanner, à se foutre de notre gueule, à s'accrocher au treuil pour se foutre par terre, à faire des courses, à faire des tremplins, à se sauter par-dessus, sauter dessus carrément pour essayer de charger un véhicule dans une benne. Tout un tas de conneries qu'on pouvait s'amuser, se regarder faire, sauter d'une colline et rester en bas, le voir retomber comme une merde. On s'éclatait vraiment dans le coop sur des tas de variantes possibles, que ce soit de la connerie ou vraiment de faire vraiment du truc propre, c'était vraiment excellent le coop. Hein. C'est pour ça que c'est hyper rageant, c'est que ça marche pas quoi. Enfin ça marche plus, ça marchait très bien. Même les bugs ils étaient marrants. Je me rappelle j'en ai fait quelques vidéos de bugs quand j'avais fait l'espèce de queue de billard. J'étais en train de tirer un camion d'un pote et il bloquait un peu et tout d'un coup il est remonté dans son camion. Il était plus dedans et du coup ça nous a fait repartir en avant, on s'est fait expulser à 30 mètres de haut, on est parti hyper loin, même ça c'était très rigolo. Hein. C'est par là, hein. Dites-moi que c'est par là. C'est par là, parce que là je vais me péter la gueule. Là je sens que je vais me péter la gueule. Alors heureusement c'est pas ces rochers à droite qu'il faut monter. Peut-être dû lui mettre un petit coup de bloc diff. Non, c'est bon, tu vas y aller. Je suis pas très fan du... Oh là là. Qu'est-ce qu'on s'est amusé sur le coop? On voyait l'autre joueur est retourné au garage, mais t'en viens. Ouais, je me suis cassé la gueule. Qu'est-ce qu'on se marrait pour tout et n'importe quoi. Hein. Oui, on a bien rigolé en coop avec les quads et les Tatra 813. 805, 805. On faisait les courses en Tatra 805 de la phase 7. Les quads aussi, ouais, il y a plein de trucs. J'espère que sur Play, j'aurai pas de problème. Il y en a moins sur Play de problèmes que sur Xbox. Donc normalement ça devrait aller. Bon après il y a toujours des problèmes quand même, hein. C'est SnowRunner, faut pas trop déconner. Hein. Ah, j'appuie pas le bon bouton, ça va pas marcher. Ah, faut faire le tour. Ah non, et la route elle est un peu plus longue. Ah, qu'est-ce qu'on s'est amusant en coop. Hein. J'aurai assez de contenu avec le jeu de base ou faut acheter les DLC. Alors le jeu de base, solo, moi j'ai mis 150 heures. La première fois que je l'ai fait, à peu près. Bon après voilà ça dépend si tu fais... Bah moi j'ai fait aussi quelques vidéos YouTube mais pas beaucoup encore. Mais ça dépend si tu fais quelques conneries et tout, ça peut aller dans les 150 heures. C'est quoi ce rétro dégueulasse? Et c'est parce que je me suis craché qu'il est pourri comme ça. Mais t'en as déjà pour ton pognon. Après tu peux te trouver une Year One édition pas chère avec déjà 4 régions de plus. Tu te rajoutes je sais plus combien d'heures. 80 plus... 80 plus 3 fois 2 fois 60 fait 120, ça fait 200 plus une fois 40, je crois en gros 240 heures de jeu pour le year 1, je sais plus, j'en avais déjà parlé. J'avais déjà donné un peu les timings pour les faire. T'en as déjà pour ton pognon, hein, year 1. Après, t'as des versions aussi avec year 2, avec year 3, tu peux avoir des prix un peu intéressants, mais après, si t'es pas sûr d'aimer le jeu, faut peut-être pas acheter déjà la version max quoi. Mais ah oui, ça m'a vraiment tout déverrouillé jusque là. Le garage est accessible pas très loin. Pas vraiment. Hein. Passer par là. Alors multi-roule, faudrait que j'aille la chercher. Un petit service, faudrait que j'aille le chercher. Course à l'arrêt, ça doit être un défi qui n'a pas de logo. Très sympa. Et la tour de guet, je peux peut-être retourner la chercher. Ouais, non, pas tellement en fait. Hein. Parce que moi, je vais bientôt tomber en panne d'essence et ça m'emmerde.
Donc je vais peut-être quand même plutôt aller privilégier d'aller chercher de l'essence. Un rancard, garage, chaud bouillant, je l'ai déjà. On va déjà se faire ça. Après, on remontera chercher la tâche quand on aura le plein d'essence. Un rancard en dépanneuse. Ah, j'ai pas un rancard en dépanneuse. Ah oui, mais il est ailleurs, non? Oui, il est là. Donc c'est bon. On ira chercher un petit service à la tour de guet après, puis ça sera bon pour la deuxième carte. Et en plus, j'ai vu que la troisième, elle est accessible assez rapidement, donc depuis le garage. Donc on va essayer de finir ça déjà. Le Taiga Dakar qui nous a fait décoller vers l'infini au-delà. Ah ouais, ça c'était le bug, c'était assez marrant. Ah, quand on joue au chat et la souris là, sur la phase 7, j'avais un Taiga cheaté et je rattrapais les potes qui avaient des véhicules qui n'étaient pas cheatés du tout. Et quand je les touchais, ils décollaient à 60 mètres de haut. Donc du coup, ils essayaient de se tirer. C'était très très rigolo. Je crois que c'est en rediff hein, sur YouTube. Il me semble que j'avais réussi à choper les extraits et tout. Je sais plus. Je sais plus ce que j'avais réussi à mettre pour ça. Ah oui, il y avait quelques moments qui étaient très amusants. Je crois que je l'avais réussi à le choper sur YouTube, hein. J'avais peut-être mis la rediff du stream, je sais plus. C'était peut-être quand on faisait nos courses qu'il y avait tout ça. Ah, même les bugs, ils étaient marrants, hein. Il y avait des bugs marrants, hein. Mais là, il y a un bug qui fait que tu te fais éjecter au bout d'une heure, c'est nettement moins rigolo. Nettement moins rigolo quand tu te fais chier à emmener ta remorque et tout. C'est sur Xbox, généralement. What the fuck? Merci. Normalement, il y a la version premium qui existe du jeu avec tous les DLC dedans. Alors la premium, je crois, non, il n'y a que le Year Pass 1. C'est les Year... Bah après, maintenant, ils ont changé de nom. C'est la Year 1 édition, Year 2 édition, Year 3 édition. Ils ont sorti la Year 4 édition. Ils ont sorti les 4. Et là, il y avait la phase 12 inclus. Dans le Year Pass 1, plus 2, plus 3, plus 4, il y avait la phase 12 inclus. Mais dans la Year 1, plus 2, plus 3, il n'y avait pas la phase 12. Non, dans. Oui. Non, elle y était aussi, je crois. Mais pas dans le Year Pass 3. Non, c'était bien ça. C'était dans les 3 premiers Year Pass, il n'y avait pas la phase 12 inclus. Mais elle y était dans tout le reste. C'était bien géré, ça. Hop, allez, on regarde pas, je passe par où après, derrière moi, ok. 86 litres, faut que je fasse gaffe. Hein. Pas de conneries. Hein. J'ai tout juste ce qu'il faut. Et c'est la connerie! C'est la connerie, c'est la connerie. J'ai oublié qu'il y avait l'espèce de passage avec le tunnel là. Ouais, voilà, c'est bien ça. Ouais, il faut bien rester au milieu. C'est ce que j'ai déjà failli faire à l'aller, je crois. C'est bon, c'est la bonne route par là, hein. Ouais, c'est la plus courte, hein. Merde. Oui, il y a la rediff sur YouTube. Je l'ai regardé, je me suis pété une barre entre les courses de Tatra 805 et le Taiga Dakar. Bon, c'est cool, c'est bien ce qu'il me semblait que ça y était. Ah, il y a eu quelques moments de poilade. C'est tout de suite plus drôle, hein, le jeu. Faut bien être clair, le jeu est bien plus drôle en coop, bien plus fun. Par contre, tu vas louper des trucs si tu fais le jeu full solo, full coop. Parce qu'il y a des missions que tu vas pas faire. Bon, tu vas voir les cinématiques, mais bon, ça va pas vraiment avoir de sens et tout. Donc, c'est vraiment deux visions du jeu. En solo, tu vas vraiment être satisfait d'avoir tout fait, d'avoir fait ta carte, de tout connaître. Mais si tu l'as fait en coop, tu t'amuseras beaucoup plus. Tu pourras éventuellement tout faire à deux, mais il y a des missions vraiment à t'as deux. Il y en a un qui va tenir la chandelle, quoi. En gros, c'est un peu ça. Ça va pas être très intéressant. Ah ben, je me demandais si t'allais tourner un jour. Allez, go! Petite ville sympathique. Les éoliennes.
tourner là, je sais pas pourquoi. Non. Ah, pas du tout. Ok, merci. C'est sympa d'être passé. Merci d'avoir pété notre trottoir pour rien. On repart. La phase 7, il faut toujours la coop pour les défis. Oui, je crois. Je crois. Et je sais pas s'ils avaient pas essayé d'en mettre une dans cette phase. Et qu'ils l'ont aborté très vite. Ça aussi, j'avais prévu de faire un live où j'aidais les gens à faire leurs défis, ceux qui n'avaient pas de connaissances pour les faire. Faudra que je le fasse, mais s'ils réparent le truc, quoi. S'ils réparent le truc. Il faut avoir une partie solo et une coop, c'est plus pratique, ouais. Après, pour l'inviter, voilà, il faut une partie solo tout court, du coup. Puisque la coop, elle est que chez l'autre, la sauvegarde. Et c'est bien, c'est que du coup, tu te fais du fric pour ta partie solo. C'est pas mal, ça. C'est que c'est pour ça que j'ai plein de pognon, c'est parce qu'en faisant du coop, j'ai engrangé du pognon pour ma sauvegarde solo. Alors, il y a un coop que j'ai fait sur une autre sauvegarde, donc du coup... Là, je me suis pas fait de pognon. Je me suis fait de pognon, du coup, sur l'autre sauvegarde. Voilà, camion réparé, plein d'essence, garage découvert. Alors, un petit service. Alors, du coup, faut que j'aille où, maintenant? Chaud bouillant, non. Donc, un petit service, il est juste derrière. On peut peut-être aller chercher celui-là. Parce que là-bas, c'est découvert. Même s'il reste un bout de carte, là-haut. Ah oui, un petit bout de carte, quand même, hein. Quand même. Tu peux pas finir le jeu phase à 100%, c'est ça? Bah ouais, puisque c'est des défis coop. Si tu les fais pas, t'as pas à 100%. Donc ça, c'est un peu la merde. Salut Mr. Freddy, ça va être toi? Allez, on va vite fait faire ça. Ensuite, on va peut-être se téléporter, je sais pas, on verra. On va aller choper la dernière tour de guet et puis on va couper la vidéo là-dessus. On va essayer d'aller chercher la troisième carte. Là, va y avoir beaucoup plus à faire. Par contre, je vais partir avec un scout. Peut-être une petite remorque aussi, on va voir. Ça peut être pas mal. Parce que je sais plus s'il y a un garage ou s'il y aura le plein d'essence sur la troisième. Je sais plus, c'est sur laquelle qu'il n'y a rien. Viens voir. Donc là, il y a un garage, là, il y a un garage. Là, il n'y a pas de garage, je crois. Donc ça va être sur Flatland, le dernier. Donc, Oviro, pas de garage. Donc j'ai intérêt d'y aller avec ce qu'il faut. Ah. On va retirer la WD, forcément. Ça va moins bien. Bon, cette deuxième carte, elle est franchement plus cool, hein. Elle me plaît bien. Il y a des petites choses sympas. J'ai bien aimé. À part le bourlac, j'ai pas trop aimé. Mais elle a l'air plutôt sympathique, cette carte. J'espère qu'il y aura peut-être de la livraison. Bah, la livraison d'éoliennes, bof. La 8 places, c'est pas GG, mais. Surtout s'il y a des routes pourries comme ça. Alors, par contre, on m'a spoilé un truc, je vais pas vous le spoiler. Mais il y a une nouvelle fonctionnalité qui est un peu intéressante au niveau de générateur. La remorque, elle a eu peur de moi, elle s'est déplacée. Il y a un nouveau petit truc qui est assez intéressant dans la fonctionnalité, mais qui est buggy puisque ça marche que 2 fois sur 3. Donc voilà, on en reparlera à ce moment-là. Je m'attends pas d'arriver à cette phase. À la phase 7, oh, elle est pas si atroce, la phase 7, hein, d'une certaine manière. Franchement, il y a des trucs qui sont assez sympas. Moi, je l'ai plutôt bien aimé, en fait. J'ai bien plus détesté la phase 5. J'ai bien aimé la phase 7, faire du trial dans les rochers avec la gorbaille. Faire les descentes de rivière avec un... Je sais plus ce que j'avais comme camion. Bah, peut-être le Azov, le Sprinter. Il y avait des choses qui étaient assez sympas. Moi, j'ai bien aimé. C'est sûr qu'elle était très courte. Très petite. Mais j'ai bien aimé. Je trouvais ça sympa. C'est pour ça que ma phase 7 n'est pas à 100%. Car il me manque les défis coop qui ne sont pas pris en charge le jour où on a fait les courses en coop. Depuis, comme le coop merde, on attend pour pouvoir les faire. Ouais, va falloir qu'on les fasse. Au pire, on tentera de les faire sans que ça soit réparé si t'as envie, hein. Je vais finir de m'installer un peu et si t'as envie, on les fera quand même, hein. On verra bien si ça bug ou pas, hein. T'amèneras les véhicules, comme ça évitera si jamais il y a un bug.
Alors, je suis presque arrivé au-dessus. Je voudrais bien éventuellement c'est aller là-bas, monter là-haut. Des fois qu'il y a un truc que je rate. On va boire un coup. J'aime bien quand il n'y a pas de garage, ça m'a un challenge sup, faut bien se préparer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Mais il y a des fois, c'est un peu abusé. Des fois, il faut traverser toute la première map, atteindre la deuxième, ensuite faire toute la deuxième sans garage. Et des fois, ça, c'est un peu chiant. Donc, c'est sûr, faut bien se préparer. Mais... par le fun, mais sinon en termes de contenu c'est pas ouf. Ah bah oui, non, elle est très courte, y a pas beaucoup de missions, elle est vraiment pas terrible en termes de contenu, non, c'est clair et net, hein. Mais je l'ai pas trouvé atroce. Et puis on a pu déconner en multijoueur, donc si tu veux, c'est pas vraiment une phase, c'est presque un petit bonus qui aurait pu être gratuit d'une certaine manière, effectivement. Si on voulait parler d'une phase gratuite, celle-là, elle aurait pu avoir sa place pour avoir le petit côté fun, le petit côté on s'amuse, on se prend pas la tête, ouais, ça aurait pu être... Ça aurait pu être là le petit côté fun. Ouais, je sais pas où est-ce qu'il y a une route. Si je vais devoir aller jusqu'en bas et remonter, j'ai bien l'impression. Bon, en même temps, c'est de la route partout. Alors, en 10 secondes, je suis en bas, hein. On va voir. On va bien voir ce que je voulais faire vite fait. Voilà. Merci. La garbaille avec remorque, ça fait penser à moi et mon quad avec la remorque derrière. Moi, je vais y aller. Bonne chance pour ce stream. Eh ben, merci beaucoup d'être passé. À la prochaine, baguette. Bonne soirée à toi. Grande remorque et plus petit véhicule devant. Ouais, c'est vrai que. La gorbaille, tu lui mets une remorque, là, les nouvelles qu'ils ont mis, le gorbaille, c'est limite un truc une place, tu lui mets une remorque deux places derrière. C'est un peu chaud. J'ai hésité à sortir le sprinter. Peut-être que pour une des maps, je sortirai un petit sprinter. Avec les nouveaux pneus, ça peut être sympa. Surtout que le sprinter, il avait que des pneus MHS1, je crois, pas sûr. Et des MHS, qui sont les mêmes. Et du coup, maintenant, avec les nouveaux pneus, en gros, il a gagné des MHS2. Donc, ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce qu'il est devenu avec ça. Ah, oui. Mettre la WD maintenant. Prends le Hazard Sprinter aussi, ça fait longtemps, bah tu vois. C'est... Comme quoi, grands esprits se rencontrent, effectivement. J'ai bien envie de le reprendre, je l'aimais bien des fois. Bon, il y a des moments où il était pas ouf. Mais je l'aime plutôt bien. Bien, t'as fait bonne fin de live. Et bah, bon courage à toi, Little Gamer. Bonne soirée. Je l'ai pris pour la remorque de réparation. Aller réparer le Kodiak à l'usine de la phase 11. Ah oui. La Kodiak, j'imagine. La Gorbaille, je veux dire. Oui, bah, tu l'as répondu. On est synchro, c'est ça. Il y a des trucs qui traversent la bâche, ça m'énerve un peu. Bon, par contre, le sprinter, ça me rend dingue, hein. C'est qu'ils ont toujours pas mis des roues de secours à l'intérieur. Ça leur coûte quoi, bordel, de mettre des roues de secours à l'intérieur? Il y a les emplacements pour, même si on les voyait pas, ça serait pas grave. Mais non, ils veulent pas. Hein. Non, surtout pas. Hein. On fait un camion de merde, on lui met pas tout dedans. C'est incroyable, quand même. Il y a les emplacements, les trucs pour bloquer les roues de secours, mais non. Il est comme ça dans la réalité, mais non. Je crois que c'était pas par là qu'il fallait que je passe.
va dire que c'est par là quand même. Si, ça passe. En 8 places, ça sera peut-être compliqué. Bon, finalement, c'est vrai que ça va vite sur la route, mais lui, il est pas rapide. Ça me démange un peu de rejouer à WRC. Ça fait une semaine, je crois, que j'ai pas joué. J'ai bien envie de me refaire quelques courses. J'en reviens au volant et je me pose des questions. Des fois, je me dis, c'est vrai que le G920, je suis pas très fan de beaucoup de problèmes qu'il a, je trouve. Mais il faut avouer que c'est quand même un très bon produit de départ. Pour avoir un levier de vitesse pas trop mal, pour avoir un pédalier plutôt correct, pour avoir un volant de belle qualité et plutôt joli, comparé à du Thrustmaster, les volants bas de gamme entre guillemets qui sont nettement moins stylés, même si tu as un petit affichage digital sur le T248, on est quand même. Le boîtier de vitesse a l'air sympa qu'ils ont fait à part, mais le volant m'a l'air vraiment pas fou, le pédalier est pas trop mal, je crois. Alors, il y a un camp à gauche et il y a, j'ai l'impression, ma tour à droite. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a ma tour à droite. J'ai été voir le fameux Hummer de l'autre côté, là, où du coup c'est passé à l'as. J'ai dû passer à côté, j'en ai rien eu à foutre. C'est impressionnant. Je pense que c'est un Hummer, hein. Bah, il suffit d'aller voir des équilibres. Je pense que c'est ça. Hummer H2, c'est ça. Ah, je suis passé, mais sans aucun respect. Osef total. Alors, la tour de guerre, on la voit pas depuis ici. Ouais, je peux poster les photos sur Discord en standard photo. Ça marche, j'irai voir. Salut Truino, bienvenue à toi. Il me semblait pas que t'étais nouveau, toi. Peut-être quelqu'un d'autre qui a le même pseudo, presque. Oh, tchou. On se calme. C'est la dernière ligne droite, s'il te plaît, Bourlac. Alors, je dirais que c'est à droite. Ça a l'air de monter. Je dirais que c'est à droite. C'est bien quand même, c'est qu'expédition, au moins on va attaquer avec une carte qu'on n'a jamais vue dans Snow. Ça, c'est l'avantage. C'est aussi ça, et heureusement, si on avait eu le même genre de carte que Snow, genre comme là, terre, terre, herbe verte, on aurait peut-être vite trouvé ça chiant. Là, le fait d'attaquer avec du canyon qu'on n'a jamais vu dans Snow, ça peut peut-être aider un peu à faire passer la pilule, comme on dit. La tour de guet, je pense qu'elle doit être dans le coin. Hein. J'ai pris ban perm sur mon autre compte. Ah, ok. D'accord. Donc c'est bien ce qui me semblait, je t'ai peut-être bien déjà vu, mais... ban perm, carrément. Je suis sur la bonne route, ça c'est bien. Mais la route me plaît pas des masses. Alors je pense que j'ai toutes les tâches. Faudrait que je vois combien j'en ai et combien il en faut. Et je sais qu'il y en a certaines qui sont bloquées par, par d'autres contrats. Ah, une remorque d'essence. Hop. Voilà. Normalement, carte terminée. Enfin, terminée. En exploration terminée. Voilà. Ça m'a l'air pas mal.
Il y a des petits icônes partout, c'est le bordel, c'est nickel. Combien je suis censé en avoir? Tac, alors zone réactive, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Alors j'ai vu que les contrats surtout, ils avaient mélangé. Donc je suis censé avoir 12 tâches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en manque 2 et je crois qu'il y en a 2. Salut Stropper. Je crois qu'il y en a 2 qui sont verrouillés sur celle-là. À moins que j'en ai loupé une. Ah, des meules de foin, c'est chouette. Et à voir, qu'est-ce que j'ai posté. Ah, il n'y en a qu'une, c'est aider les voisins. C'est aider les voisins, donc il m'en manque une. Un peu. Un petit service. Ah, course à l'arrêt, c'est une tâche. Ah, bah, ça apparaissait pas avant. Donc c'est celle-là qui me manque. Je savais même pas que course à l'arrêt, ça serait une tâche. Je croyais que c'était un des... Ah bah c'est ça. C'est le yard. C'est la mission du yard. Bah je vais aller la chercher, il y en a pour 2 secondes et puis basta. Ça sera fait. Le Azov, de toute façon il a plus d'essence, on va le ramener au garage maintenant. Hop, merci. Le Bourlac, on va le ramener au garage, on va aller chercher en speed. La dernière tâche qui me manque. Donc je passe par là. Ouais bah ça va, c'est... Pour moi c'est pas compliqué. Et donc il en manquera plus qu'une qui est bloquée par des contrats. Ou un contrat. Alors tant que j'y suis, je peux peut-être donner le nom. Donc la tâche qui... Mais putain, tu vas arrêter de tourner? Incroyable. Ah, puis avec leur tour de force. C'est aider les voisins qui est débloqué par arrêter arriéré de commande. Voilà, comme ça c'est dit. Si vous voulez le savoir. De toute façon, il y a tout expliqué sur mon onglet communauté de la chaîne YouTube. J'ai donné tous les noms. A toutes, bonne app, Mr. Freddy. Yo, Xpidi. Ah, tu viens d'emménager, tu vas pas déjà aider le voisin. Je suis quasiment pas allé me présenter au voisin, ça craint un peu, mais... C'est pas trop notre style, on vient de Dijon, nous. Hein. Tu dis bonjour, déjà, c'est limite une agression, donc... On n'est pas habitué à ça. Allez, vas-y, braque. Saleté, va. Hop là. Je voulais prendre aussi peut-être l'Actae. Waouh. L'Actae, le Warthog, pardon. Voilà. On a nos 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la 12e, elle est bloquée. Et ben voilà. Allez, on se téléporte au garage. On coupe la vidéo là-dessus. On se retrouve tout de suite pour l'exploration de la 3e carte.